rektor, det är tidigt som vanligt. God morgon, du. Ja, likt ni vet, och särskilt idag, den sista skoledagen för ferien. Ska bli deilig med litt ferie igen. Ja, det ska vara visst och sant. Och dere ska väl som vanligt till Grimstad? Ja, där har vi varit i alla år, helt sin min sön blev född. Han kan inte tänka sig att feriera utan sin mor. Han är så hjälplös, han stackars. Jag tänker tre har varit i Grimstad hver sommer i over 30 år. Och får vi leve så blir det väl 30 år till. Så deilig syns vi där där nede. Da må de ha riktig god ferie, fru Stefansen. Hils deres mann. Skjønnen ser jeg nok på skolen i dag. Farvel, frue. Adjø, adjø, da, rektor. God ferie. Husker du fedemelodien som du spiller hver eneste morgen? Men jeg liker den, mor. En liten fransk melodi. Skjønner du ikke det, da? Hva er det veien med deg, Paul? Hei. Hva er det? Jeg vet ikke. Er det noe galt mellom Sofie og deg? Med Sofie? Hvorfor spør du om det? Du sier bare så lite, og... Vi er bestevenner, mor. Åh, ja, det var da enda godt. Men dere fremdeles forlovet, uten ring og sånt, mener jeg. Nesten, mor. Nesten. Nesten? Hva vil du det si? Jeg er din mor, og jeg har efter beste evne vernet deg mot alle livets farer, kvinnerne i beregnet. Derfor kan jeg trygt si at du skal lete lenge efter en greiere pike enn Sofie Eide. Jeg vet det, mor. Jeg vet det. Finn jeg ferdig for lenge siden? Skal vi ikke spise snart da? Yes! Jo, hva kom vi far? Og på lørdag, da har vi altså til Grimstad som vanlig. Det er tusen ting å gjøre. Det beste ordner med både tog og båtbilletten i dag, far. De er jo bestilt for lenge siden. Skriv opp, ellers glemmer du. Sløv som du er blitt. Ja, du må hjelpe meg, far. Vi kan ikke plage lille Paul i dag, stakkar, som er 30 år sliten etter et års skolearbeid. Ja, det må da vel jeg vite som så å se det samme jobbet. Å, nei da, far. Folkeskolen har hatt skille lettere enn gymnasiet med alle disse gære skolejentene. Det er det som er i veien, tenker jeg. Ikke sant? Du er sliten, lille Paul. Jo, men hold nå opp med dette lille Paul-stant, lille mor. Og det er sant, så må du ikke glemme å gå til tannlegen før du reiser, Paul. Og jeg tror du trenger noen nye sett sommerundertøy og en ny badebukse. Forresten, hvorfor vil ikke du og Sofie like så gjerne forlove dere før dere reiser på landet? Nå har dere gått sammen i over et halvt år, og det vil unøkkelig ta seg meget bedre ut når dere er sammen der nede ved sjøen og sånt. Ikke sant, far? Det er så sant, så sant, så. Men vi skal ikke mase, tenker Arne seg. Paul vet hva han gjør. Han har sin egen vilje. Paul vet hva han gjør. Han har sin egen vilje. Paul vet hva han gjør. Han har sin egen vilje. Fare thee well, thou first and fairest. Fare thee well, thou best and dearest. Thine be ilke joy and treasure. Peace, enjoyment, love and pleasure. Det er riktig. Hva mente så Burns med dette verset? Oversett, er du snill. Farvel, du første og kjæreste. Farvel, du beste og vakreste. Det er riktig. Farvel, du beste og kjæreste. Farvel, du beste. Ville. Måtte enhver adspredelse og utbytte, fred, kjærlighet og glede følge deg. Det var riktig pent oversatt. Takk.
Hallå, Per? Ja. Sitter du här? Jag fann på möte dig. Det är så vackert idag. Det var hyggligt. Jag sitter här och träcker in blomsterduften. Per. Tar vi kanske en tur ner till vannet? Ja, gärna. Men du vet, det är inte bra att komma för sent i middag. Du känner mor. Oh, vi har en timme. Jag var nere och poppade om din söte mor. Det var en grimsta för alla pengar där igår. Ja, var du på? En, två, tre, fyra... En, två, tre, fyra, fem, sex! En, två, tre... Uff, nu fiskar vi inte mer. Nej, nej. Du... Syns vi ska få lov oss förberedas på ferie, eller? Ja, var det ingen tanke att vänta till hösten? Ja, jo, så gör vi det när du vill ha det så. Nej, mor väntar med middagen. Jag orkar nämligen att dra till Grimstad i sommar. Vad är det du säger? Jag tror jag drar till fjälls, alene, på fottur. Simmer, är du blitt en del spansdjur? Jag håller förresten med dig. Men du stor min. Här ska du bli bannad. Jag säger inte. Åh, Joda, hör här, fatter. Jag säger det inte. Jag orkar inte det här längre, far. Jag må ut av denna tvangströjen. Jag må väck bort från det hela en tid. Mor vill inte förstå det. Säger det, säger det. Jag så förstår jag, gutt min. Bara dra på fotur. Du har gått här. Men jag säger det inte. Är du allt här med kaffen, far? Tänk, jag tror jag fick mig en aldrig så liten dukta. Jag tror jag tar mig en tur och ordnar med biljetten nu, men det är samma jag mår. Allt för stark. Du plejer alltid att säga att jag lär en för tynn. Ja, men jag har inte råd, det är bara det. Hör här, mor. Jag kommer inte att dra till Grimstad i sommar. Jag aktar att dra alene på fottur i Jotunheimen. Nej, jag må nog se och komma och gå igen. Vad i all världen är nu detta för ett påfund, Pöl? Blir du aldrig vuxen? Men det tränger förändring, mor. Och motion och så. Du tänker alltså inte på mig och på far. Och vad med fröken Eide? Jag skulle ju få lova dig. Kära mor, vi är där samman hela året. Dessutom är vi blivit eniga om att vänta. Vänta, vänta. Dere män är någon hänsynslösa egoister. Är du klar över att fröken Eide ganska säkert kommer till att få betänkligheter efter detta? Då du sån utan vidare reser flarna alene på fortur i Jotunheimen. Och du kan tacka mig och far naturligtvis för att du kan se framtiden så lys i möte i denna dejliga födebyen din. Och Sofies far är välhållen, det vet du. Jag renar alldeles inte på att hon är formue och allt det där.
Men hele trelastbruket vil med tiden tilfalle henne og mere til. Og dette deilige huset vårt blir ditt, det vet du også. Adam og Eva hadde det ikke bedre i paradiset enn du og Sofie får det her. Du skal ikke være så trassig, Paul. Men hvis det så om å gjøre å komme av sted, vekk fra far og mor og hjem og det hele, utaknemmelig og egenrådig som du er, så kan du da skjønne at jeg skal hjelpe deg å pakke gutten min. Glem ikke å holde deg klar på benene da, Paul. Og glem ikke å skrive heller da. Nei da, vær sikker. Adjø da, du. Adjø da. Farvel da. Adjø da, Paul. God tur. Adjø da, Paul. Å Gud, Paul, har du husket kartene? Og kompass. Ja, for alle går etter kompass i Jotunheimen, vet du. Ja da, ja da. Farvel, farvel. Adjø da, adjø da. Adjø da, farvel. Gjør igjen. Og glem endelig oss og Doni! Ja, er det virkelig deg? Har du forvilt deg inn til storstaden? Fare for vennlig. Ja, nå er det sannelig lenge sin siste. Ja, det er det. Har du tenkt deg til Egypt, eller enda lenger, kanskje? Ja, kanskje det. Nei, sant å si, så hadde jeg tenkt meg en tur til Jotunheimen. Ja, med fly? Akkurat. Er du gal? Da skulle du heller reise med meg til Paris. Jeg reiser nedover i morgen likevel, i hjemme som etter. Nattparis, jeg. Nei, jeg har nok ikke råd til sånt, jeg. Ah, du har simpelthen ikke råd til å la være. Eller... Er du like forsiktig med grunken? Oh, nei da, jeg... Telefon til Sandberg. Oh, takk, det blir ikke jeg skal være her. Du, sett deg bort til sofaen og ta en røyk så lenge. Hør her, gamle heimføy. Er du gift? Nei. Er du forlovet da? Nei. Men hva i all verden er det da med ølre? Hør her, Paris, forstår du, Paris. Parle marano, darare. Ja,
Ja, så er vi i Paris da, Gare des Invalides. Her tar vi en taxi, og så får du da det første gløtt inn i metropolen. Allerede her har du deputerkammeret, og nå triller vi over scenen på Pont-Sauferin. Og like mot oss har vi Place de la Concorde. For hele verdens gater den elegante Avenue de Champs-Élysées, med den mektige historiske triumfbuen. Men først har vi inn på et godt hotell. Du har jo tiden foran deg. Men er ikke dette vel flott? Langt ifra, bare kom. Ja, Stefansen, her har du altså Jotunheim. Og den toppen der borte er Gallhøpiggen, Nei, jeg mener selvfølgelig Eiffeltårnet. For øvrig synes jeg du bør følge den vanlige turistruten for førstegangs Parisefarere. Den begynner gjerne på Operaplassen ved Teatret National de l'Opera, Akademie de Musique. Må vi igjen på Bergen noensinne kommer så langt som Napoleon den tredje, som skapte dette. Videre har vi Madeleine-kirken, et vakkert syn bak gamle grønne trekroner, et tempel i antikk stil, omgitt av slanke korintiske søyl. Den er bygget til minne om og til ære for Marie Magdalena. Så kjent er bildet av den vakre gamle ærverdige kirken Notre Dame, at du synes har sett den mange ganger før. Ja, kartet er en absolutt nødvendighet når man skal orientere seg i denne gigantiske maurtuen. Og her har vi en av Paris store severdigheter. Verdens største antenne, Eiffeltårnet. Allumette. Merci. Riktig, Stefansen. Forsiktighet er en dyd. Heller et forfriskende glass øl og små betroelser i dagboken i skyggen av Moulin Rouge. Og så ferske nyheter hjemmefra. Her får du aviser fra alle verdenshjørner. Teheran, Kairo, Hongkong og New York. Ja, nå venter vi å bli av vår lengste, korrekt. Jaså, hvorfor det? Ja, du vet. Første gangen i Paris og langt borte fra mamma, sånn. Bonjour, bonjour. Voici deux vikings volants. Jeg får lov å presentere frøken Hedlund, herr Malgren, Sverige, frøken Møller, Danmark, fru Sørli, Norge, herr Stefansen. Leve den skandinaviske samkjøring! Ja, hva synes du så om Paris, herr Stefansen? Fantastisk! Paris er ikke bare en by, det er en verden. En historiens verden. Ja, og Stefansen er ikke kommet over dagbok all der nede, han fører fremdeles dagbok over alle ting, ikke sant? Det kan være morsomt å ha noe å fortelle alle elevene mine når jeg kommer hjem, om alle opplevelsene mine. Ja, familien også for den saks skyld. Er det første gangen Stefansson er i Paris? Ja, det er første gang. Og hva er så ditt videre ønskeprogram for Paris-oppholdet? Først vil jeg finne meg et billigere sted å bo, så jeg kan bli her riktig lenge. Og så vil jeg gjerne høre henne som synger Vieux Paris. Ah, Vieux Paris, da-da-da-di-di-da-da-da. Ja, men det er vel ingen sak, henne kan vi si allerede i aften. Men i morgen må du greie deg selv, for da reiser jeg videre.
skjønt deg. Kan du ikke si at damene blunker til deg? Det interesserer meg ikke. Hva? Jeg bare som mennesketypper. Dessuten så koster de. Sannelig, jeg kobler litt, gitt. Du forstår jo ikke om ordet det. Slutt dere sammen. Jeg har aldri hatt så kjekt. Her. Egen betoning. Her skal du høre. Oh la la! Maintenant, voici Vivienne. Men nå må du sannelig ta deg sammen, gitt. Nå kommer jo din store favoritt. Men unnskyld meg så lenge. Tes amours, tes fantaisies, vieux Paris, mélodie. C'est chaud, hein? C'est pas si chaud que ça, n'exagère pas. C'est parce que je n'ai pas l'habitude. D'où viens-tu? Pôle Nord. Et quel blême? Esquimaux. Un air m'entraîne, je retrouve tes nuits. Mon ami, c'est bien toi, vieux Paris. Loin de toi, ta chanson me suit pas à pas. Elle est toujours dans mon cœur, je la chante. La la la, la la la, la la, je la chante tout bas. La la la, la la la, la la la, je la chante tout Excusez-moi. Non.
Bonjour, madame. Je voudrais une chambre. Ah ben, je vous dis tout de suite les conditions. 300 francs par jour, 10% pour le service et le petit déjeuner en supplément. Vous êtes seul? Seul? Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas accompagné? Oh, non, madame. Je ne connais personne. Les occasions de faire connaissance ne manquent pourtant pas dans ce quartier. Mais vous n'êtes pas d'ici, sans doute. Vous êtes anglais? Non, madame. Norvégien. Norvégien? Oui. Oh, ça, c'est tout à fait passionnant, alors. Ici, voyez-vous, nous avons eu des Espagnols, des Italiens et même un Grec. Sans compter tous les Nord-Africains. Vous, monsieur, vous serez notre premier Norvégien. Quel beau pays que le vôtre. Oh, vous connaissez? Non, mais rien qu'à vous regarder, j'imagine. Par ici, monsieur, s'il vous plaît. Je vais vous montrer la chambre. C'est ici. Voilà. Ah, évidemment, c'est pas très ensoleillé. Il pleut un peu sur le lit, même en hiver. Mais comme on est en été, ça n'a vraiment aucune importance. C'est gentil, hein? Ja, jo, oui. Ça vous plaît? Je la prends. Ah, j'étais sûre que vous plairait. Évidemment, c'est un logement modeste pour 300 francs par jour. Je peux tout de même pas vous donner une chambre avec vue sur la mer, n'est-ce pas? Descendons, je vais vous présenter à Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, c'est mon mari. Je suis sûre que vous sympathiserez avec lui. Et toi, tu me casses les pieds. Viens, papa. Oh, allez, allez, va, 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 va. André. André. Quoi? On va quoi, t'entends pas, nous? Je viens de louer une chambre à monsieur numéro 4. Dubois, enchanté de vous connaître. Le 4, c'est une très bonne chambre. Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. J'espère. Alors, qu'est-ce que t'attends, toi? Conduis monsieur chez nous et fais-lui remplir sa fiche. Oui. Vous voulez me suivre, monsieur? Oh. Allez. Tenez. Merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Ils sont tous comme ça dans votre pays. Ils n'ouvrent la bouche que pour dire oui, non et merci. Eh bien, c'est moi qui vous intimide. Oh, madame, je m'excuse. Oh. Ne vous excusez pas, mon chou. Au contraire, j'adore les gars qui rougissent comme des filles. Oh. Mais je suis folle de vous dire ça. Si jamais mon mari m'entendait, il serait capable d'en être jaloux. Quoi, jaloux? Qu'est-ce que t'es encore en train de lui vendre à ce garçon? Tu le vois bien? Mes charmes. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Voyons, monsieur, à son âge. Au lieu de surveiller la tambouille, ça voudra encore lever la jambe. Non, mais elle n'est pas raisonnable. Madame Dubois, plaisanté. Bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes? Anglais? Non, je suis norvégien. Ah ah! Mais dites donc, c'est pas la porte à côté? Pas tout à fait. Mais allez, avec l'avion, ça va vite. Il va tout de même falloir que je me décide un jour à prendre l'avion. Ça doit être du tonnerre. Tu veux prendre l'avion? Pourquoi faire? Monsieur vient bien à Paris, lui. Pourquoi moi, je n'irai pas en Norvège? Mange ta soupe d'abord. Stéphanson. Oui. Ben, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous appellerai Paul tout court. Neither. Hein? Au contraire. D'abord, ça fait tout de suite plus intime, et puis c'est plus facile à prononcer. Sacré Paul. Appelle Berthe, veux-tu?
Mais sapristi, j'y pense, vous devez avoir faim. Enfin, oui. Bon, allez, vous allez rester manger un petit morceau avec nous. Je ne sais si je dois. Taisez-vous, vous n'avez plus le droit à la parole, je mets votre couvert. Tu vois, Berthe n'est pas venue. Je parie qu'elle est encore avec son plombier. Elle est en train de servir aux zinc. Encore un peu de vin? Non, merci. Je n'ai pas l'habitude. Monsieur Paul, vous préférez peut-être un bon café? S'il vous plaît. Allons, bon. Voilà le bastringue encore. Pas moyen d'être tranquille. Vous m'excusez, Paul? Quand le boucan commence, c'est les clients qui rappliquent. C'est un brave homme, mais c'est dommage, il n'aime pas la musique. Je vais vous préparer un bon café, hein? Et puis après ça, je me changerai de robe. On se marre. Bon, ça se fait que ta frangine, elle est pas encore au boulot. Que je t'aime, Marie ne lui dit rien. Il me fatigue. Vous avez déjà vu ça, vous? Un mec en jupon? C'est la moralité publique, alors. Qu'est-ce qu'on en fait? Marche dessus. Tu vas prendre un verre? Pour qui tu me prends pour un micheton? Dis donc, patron, qu'est-ce que tu crois? Faut encore me le payer, mon verre. Bon, je pensais que de temps en temps, pour entretenir l'amitié, tu pourrais... Minute, Milo. Nous deux, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et bien, quand je t'ai rentré tout à l'heure, je me suis dit, c'est fou ce qu'il a une sale gueule. Je ne pourrais jamais m'y habituer. Tu permets? Pour une originalité, tu repasseras. C'est ce que je me dis tous les matins devant ma glace en me rasant. Je présente M. Stephenson. C'est un Norvégien. Salut. Il est paralysé des deux jambes. C'est cette putain de guerre. On vous fait courir dans les luzernes comme des lapins, puis on se casse la gueule. Pour être marrant, c'est marrant. Ah. Enfin, je m'en suis tiré à bon compte, faut pas que je me plaigne. N'y pense pas, va mon Pierrot. Moi, j'y pense pas. Seulement, quand j'ai envie d'aller faire un tour... Paul! Venez donc vous asseoir. Jean! Jean, mais qu'est-ce que t'attends pour y trouver une bonne table? Prends plus un petit cognac, c'est la tournée du patron. Et là, bonhomme, tu soignes le client? C'est pas un client, hein. C'est un Norvégien. Mmh. On leur fait aux Norvégiens. La blotte, le poker? Oh, on se doit jouer à la canette. Écoute-moi bien, Milo. Si tu veux pas sortir d'ici avec mon pied dans le train, tu vas y foutre la paix, ce gars-là, hein? Ouais, parce que c'est mon pote.
gaffe aux gosses. Tu comprends pas le français, chérie de barré. Allez, ouf. Oh, un petit verre par là. Tu veux que je te dise, moi? Elle les a par la gueule. Une honte. Mais voyons, Marie, qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, laisse tomber. Oh, à moi, rien. Nous deux, on est bien comme on est. Pas vrai? Alors? Tout de même, c'est pas régulier. Quelque chose qui cloche, puis en haut, c'est-il que tu prends déjà tes vacances? Oh, laisse-le souffler un peu, quoi. Sûr. Te fatigue pas, surtout. Ça me donnerait des remords. Pourquoi que je le paye? Pour qu'il cite mon cognac? T'as vu Lucie qui arrive à sortir? Qu'est-ce qu'il lui prend? Je me suis dit, ça va me changer les idées. Et le film, c'était beau? J'ai pleuré. Elle est parfaite. Tu sais l'heure qu'il est? Oui, Émile. Écoute, fillette, tu me connais, je suis un tendre. Et cette fois-ci, tu exagères. Si je passais là-dessus, les copains rigoleraient. Tu m'as laissé ma soeur tranquille! Tu me demandes quelque chose? Eh bien, armez-vous! Vous voyez pas qu'il va lui foutre une trempe? Quoi? Oh, vous m'avez acheté un dictionnaire, hein? C'est fini, ton numéro? Si je veux. Écoute-moi bien. Si t'as encore le malheur de la toucher, fais gaffe. Milo, hein? Tu veux pas me faire une fleur? Quoi? Fais-toi plus rare. Il y a d'autres bistrots d'ouvert dans le quartier. Sacré Paul, va! Vas-y, danse avec ce monsieur, tu vois qu'il est seul. Eh ben, vas-y. Oh, faut tout leur apprendre à ces mots. Vous êtes tout seul? Seul? Ouf. Naturellement. Jean! Cognac. Vous dansez? Mal. Vous en faites pas, ça va s'arranger. Thank you.
ne suis pas danseur. Mais si. Vous dansez très bien. Oh, Berthe, pousse-moi un peu. Je vous sais sûrement, je marchais sur les pieds. Oui, mais ça ne fait rien, j'ai l'habitude. Voulez-vous qu'on se repose un peu? Merci, oui. Non, non. Il ne faut pas boire autant. Une belle fille comme vous. Belle? C'est aimable. Mais le cognac n'a jamais fait de mal à personne. Et vous savez, Monsieur Dubois ne veut pas que je sois ici sans consommer. Ce n'est pas bien pour vous ici. Ce café. Vous êtes marrant, vous, alors. Mais on est bien ici, n'est-ce pas? Si, si. Mais ce n'est pas bien pour vous. N'avez-vous pas un ami? J'en avais un, oui. Vous l'aimez? Oh non! Il était si brutal. C'est fini. Goûtez-moi ça. Comment le trouvez-vous? Pas mal. Hein? Un petit verre tous les matins, ça vous remonte et ça vous nettoie. Qu'est-ce que t'es encore en train de dégoiser? On cause. Tu permets, oui? Ah. C'est un vieux poivreau, monsieur Paul. Vous feriez mieux de prendre un bon café, ne l'écoutez pas. Ce que tu peux être agaçante avec tes conseils. La liberté, c'est pour qui, hein? Vous avez jamais remarqué que ma bonne femme me casse les pieds? Qui? Moi, monsieur Dubois. Mais non, pas vous. Entre nous, hein. Ah, mais alors là, tout à fait entre nous. C'est une vache. Ah oui. En français, pour vous, c'est difficile à dire. Ah, peut-être qu'en norvégien,
Oui, mais c'est ça. En norvégien, qu'est-ce que ça donne? Madame Dubois est une... quelque chose comme... Madame Dubois a des culs. Et à quoi? Cul. Cul! Merci. C'est dans la poche. Attention. Allez, poussez-vous les hommes, faut que je nettoie. D'ailleurs, pour ce que vous faites là, vous serez aussi bien dehors. Hein. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je vous disais, mon vieux? Madame Dubois est dire cul! Quoi? Non, mais dis-donc, tu te sens pas bien, non? Bien sûr, tu peux. Tu m'offres rien à boire? Un verre de lait, si tu veux. Il ne faut pas faire la grimace. Quand j'aurai ton âge, j'en buvais moi du lait. C'est pour ça que je suis grand et fort. C'est vrai que vous êtes fort. Toi alors, tu m'impressionnes. Je ne sais jamais si je dois te dire tu ou vous. Dis-moi tu. Bon. Comment tu t'appelles? Lucie. Moi, je sais. Toi, c'est Paul. Hein? Paul. Quand j'étais môme, j'avais un petit copain à mes genoux qui s'appelait Paul. Il était gentil. T'es gentil aussi. Merci. Dis-moi, Lucie, tu t'amuses? Où? Ici. Quelle question. Tu crois qu'on s'amuse là où on travaille? Il fait chaud ici. Tu n'as pas envie de respirer? Oh, si. Alors, viens. Je connais justement un coin près du Sacré-Cœur. Ça sent bon, on croirait à la campagne. On cherche la solitude, les enfants? Et le clair de lune. Ah, c'est beau la jeunesse. Pour un peu, ça nous donnera envie d'en faire autant. Pas vrai, Pierrot? Tu parles. Tu pousseras la voiture? J'aurai les marches militaires. C'est mauvais pour les jambes, les marches militaires, mais... c'est bon pour la cadence. Tu préférerais peut-être que la mère Dubois la pousse, ta voiture, hein? Oh, fous-moi la paix, Marie. Tu t'imagines bien que si je pouvais marcher, je resterais pas ici. Eh ben, Marie, qu'est-ce que vous faites là? Votre place est pas ici. Un petit brin de causette, en passant. Joue, toi. Georgette vous manque ce soir? André. Quoi?
Cette fille me déplaît. Elle est vulgaire. Je me demande qu'est-ce qu'elle fait chez nous. Ben, t'as pas. On dirait que tu sais pas ce que c'est. Oh. Tu as tout le temps l'air si sérieux. Moi, remarque ce que j'en dis. Qu'est-ce que tu regardes? La ville, les lumières, le ciel. Pour le ciel, tu devrais venir chez moi. On le voit mieux. C'est plus haut. Chez toi? Oui, tu peux, tu sais. Dommage. Quoi? Mon frère était là ce soir. Maintenant, je rentre. Demain, dimanche. Yo. Oui, petit garçon, je rêvais de faire une promenade au bois de Boulogne. J'avais vu une carte postale. Il faut que les histoires de petits garçons finissent bien. On le sait. Tu m'emmènerais? Je suis là avec toi? Oui. Oh. Rendez-vous devant l'église à 10 heures. Paul, je suis jamais allée. Sois à l'heure. Oui, Paul. Parce que je te fais peur maintenant. Vous vous êtes bien bécotés tous les deux? Oh, tu crois non, je vous ai vu. Tu comprends, mais je suis ici, je ne suis pas jaloux, mais... Faut que ça rapporte. Émile, j'aurais déjà dû te dire, nous deux, c'est fini. Pas de ça, ma petite fille. Je t'aime, moi. Et puis, avec quoi veux-tu que je m'achète mes cigarettes, hein? Avec quoi veux-tu que je me paye un verre quand je fais la note avec les copains? Je suis tout de même un peu trop vieux pour m'inscrire au chômage. Tu ne m'as pas compris. Toi et moi, c'est fini. Tu entends, c'est fini. Et ça, c'est fini? Ah, allez, au boulot! Comment qu'elle s'est fait ranger? Ben, c'est tout de même pas Paul qui t'a donné une barre. Eh ben, réponds. Émile. Salaud. Pleure, ma gosse. Pleure. Je te jure, si je pouvais encore pleurer comme une montre. Il y a des moments, ça me ferait du bien. Relève-toi, Lucie. Écoute. Sèche tes yeux. Et cesse de renifler, ce magas. Regarde-moi bien maintenant. Tu l'aimes, hein? Paul. Tu vois non pas qu'elle est toute retournée, non? Alors, Lucie, t'as perdu ta langue? Pleure, va. T'as bien raison de pleurer.
Il ne faut pas aimer. Jamais. Tu m'entends? Aimer, c'est pas pour des filles comme nous. D'accord. Je sais ce que tu vas me dire. À nous aussi, on nous fait des promesses, on nous raconte des boniments. On nous passe la main dans le dos. Ça oui, pour ça ils sont forts, les hommes. Très forts aussi pour s'en aller sur la pointe des pieds. Alors quoi? On reste entre nous? C'est pas plus mal. Pas vrai, Marie? Il m'avait toujours dit, si un jour tu vas dans un endroit chic, fais bien attention de ne pas t'en mêler avec les couteaux et les fourchettes. Il y en a des tas. Recueillis, mon petit frère et moi. Seulement... Quoi? De temps en temps, elle nous demandait d'aller faire un tour dehors. Parce que... les messieurs voulaient la voir. Qu'est-ce que je pouvais avoir? 15 ans? À cet âge-là, il fait pas bon traîner dans les rues. La preuve, j'ai rencontré Emile. Il n'était pas méchant au début. Il disait comme ça qu'il me prenait en main, qu'il me formait. Tu parles. Quand mon éducation a été terminée, pardon, il a tout de suite voulu que ça rapporte. Or, tu sais comment c'est. Un jour oui, un jour non. Moi quand c'était non, il me battait. C'est là que j'habite. Viens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse? Paul. Tu sais ce que je pense. Alors je veux pas avoir l'air de te courir après. Monte. Tu en as envie. Ça coûterait combien? Ça, j'en connais qui payerait. Comment tu trouves ça? Gentil, hein?
C'est comme chez toi. Je vais me mettre à l'aise. Ah, si tu as envie de fumer, il y a un cendrier quelque part. Cherche-le. Je t'ai déjà étouffé moi-même. Quand je pense que j'ai trouvé le temps d'ourler les rideaux à la main. Ben, qu'est-ce que tu as? T'es tout chose. Tu excuseras ma question. J'ai besoin de savoir. Dis. Lucie, franchement, il y en a beaucoup qui... ont payé. Pourquoi faire? Ah, pour ça. Je sais pas, moi. Ça dépend des jours. Grosse bête. T'as tout de même pas cru que je sortais du couvent. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Pourquoi tu ris? C'est marrant. Mais toi, au moins, tu fais des progrès. Et qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Tu as l'air innocent, comme une jeune fille. Et pourtant, hein? Oh, Paul! Maintenant qu'on est là, faut pas couper les cheveux en quatre. Encore, je comprendrais si nous deux, c'était pour la vie. Mais alors là... Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, on marche derrière la porte. Je n'entends rien. Je t'assure qu'on a marché. Peut-être un chat. Mmh. Encore une fois, répète. Allez. Parlez-vous norvégien? T'as l'air dit norsque. Oui. Mon nom est Lucie. Yai Aeter. Lucie. Oui, ensuite. Ce qui sont compliqués dans ton pays. S'il vous plaît, Versonild. Merci. Tac. Oui. Ouf. C'est fini. Comment ça a fini? C'est bien que tu m'en as appris un autre. Et celui-là, il est pour nous deux. Alors je vais te le dire dans le tuyau de l'oreille. Non. Commence donc plutôt à faire la vaisselle, tiens. La vaisselle, c'est une idée. Tu n'aurais pas besoin d'une bonne à tout faire? Qui? Toi? Alors?
Tu m'engages? Je te propose de m'installer ici avec ma valise et de faire ton ménage. T'es pas content? Pardonne-moi, Paul. Ça me fait très plaisir, au contraire. J'aime mieux ça. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Va vite à l'hôtel prendre tes affaires et reviens vite. Le plus vite possible. On a si peu de temps. On est lundi? Oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours. Tu as compté des chats? Essaye de comprendre. Je ne peux pas retarder les classes en Norvège. Surtout la rentrée des classes. Tu es fâché? Moi? Pourquoi faire? Tu m'aimes? Dis pas de bêtises. Allez, va vite. Dépêche-toi. Je serai de retour dans un quart d'heure. Paul. Oui. Yael. Non. Va vite. Émile, pour une fois, sois gentil, va-t'en. Fille, tu te doutes bien que... Ça fait 10 ans le mot depuis que tu m'as laissé tomber. Mes revenus en ont pris un bon coup. J'avais pas à me piler, c'était comme un petit capital qui fructifiait. Tiens. Tu fumes la pipe maintenant? Cesse de faire l'idiot! Où veux-tu en venir? Minute. J'y arrive. Tu as encore 3 mômes. Tu as besoin de quelqu'un derrière toi. Enfin, je veux dire quelqu'un de sérieux, qui connaisse le métier. Prends ton histoire avec le Norvégien, par exemple. Ça pourrait rapporter gros si je m'en occupais. Justement, la France manque de devises. Un petit effort, Émile. Qu'est-ce que tu attends? Ça. Quoi? Tu la veux, la patrie, hein? Tu la veux? Quoi? Tu la... Celui-là, il tombe toujours bien. Tandis que le scum, madame. Émile, c'est fini! C'est fini que j'appelle! Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu devrais t'en aller. Les agents vont sûrement me demander ce qui s'est passé. Je ne veux pas que tu y sois mêlé. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je me suis battue avec mon ami, comme d'habitude. Regarde ce que j'ai trouvé! Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Bah, je prends des portes, non? Ça se voit pas. J'ai trouvé Pierre au marché, alors j'ai pensé que je... J'ai pensé. Ouais. Eh ben, tu penses trop! Si je te gêne, je peux me tailler, tu me pousses un peu, la rue des Sens, ça ira tout seul. Reste! J'ai bon cœur. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Bon, alors je continue? Bouffe, mais n'oublie pas qu'on ne parle pas la bouche pleine. Oh, ça va. Alors tu te dis ce que t'as trouvé? Ça. Bah quoi, c'est un journal?
Un journal, un journal, mais regarde. Oh bah oui, c'est bizarre. En quoi donc c'est écrit? En norvégien. Tu comprends le norvégien? Non. Moi non plus. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Nous rien. Mais Paul, oh là 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 là, ce que t'as la tête dure. Est-ce qu'il est rentré? Mais j'en sais rien, je te dis, puisque j'étais au marché. Bon, je vais voir. Dis, Pierrot, si c'est pas trop te demander, laisse-moi un peu de fromage. T'es devenu à l'hôtel maintenant? Qu'est-ce que t'as à répondre? Allez, parle, parle ou je te calote! Je venais de payer, quoi. Ouais? Envoie. Mais j'ai rien eu le temps de prendre, tu m'as dérangé. Tu veux que j'aille chercher les flics? Oh, bah parce que ils te font mettre à table. Oh, tu ferais pas ça, quoi, un pote de 20 ans. Oh, dis, je vais me gêner. Oh, ça va, tiens. Allez, allez, allez. Oh. Tiens. C'est tout? Allez, fouille. Tu files un main de coton, Milo. Ouais. Mmh. Tu devrais partir à la campagne. Respirer le bon air. En moins de deux, tu te referais une santé. Moi? Oui. Mais je suis pas malade. T'es pas à l'eau. Moi, je suis pas là. Puisque je te dis que t'es pas à l'eau. Tu devrais me croire, Milo. Oh, si tu le dis, ça doit être vrai. File. File, Milo, à la campagne. Hé! Hey! Hein? Boucle bien la lourde en sortant. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui se passe? Ah ben je mettais un peu d'ordre comme ça en passant là. Ah, j'avais quelque chose pour vous là, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ah, ah, que je suis bête! Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il vient de 4 jours seulement. Hein? Bravo! Écoutez, monsieur Dubois, je pars. Ben, samedi, je sais. Non. Tout de suite. Ah. Vous savez, c'était assez gentil, tous les deux. Seulement. Seulement. Il y a Lucie, pas vrai? Hein? Oui. Vous avez bien droit d'en profiter, mon vieux, c'est de votre âge. Et puis moi aussi, je vous regretterai. Non, mais c'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des jeunes gens sympas comme vous, là, francs comme l'or. Monsieur Dubois. Plus le monde vieillit, plus il y a de salauds. Et puis, entre nous, là, je trouve ça très bien la façon dont vous conduisez avec Lucie. Non, mais je vous le dis comme je le pense. Elle a du mérite, cette pauvre gosse. Elle m'a raconté. Ça n'a pas été toujours drôle. Je suis content que vous occupiez de Lucie, Paul. Vous êtes un brave homme, monsieur Dubois. Oh là là, vous me connaissez mal. Allez, bouclez votre valise et on va aller prendre un dernier verre. Vous savez pas ce qui m'embête le plus? C'est d'annoncer votre départ à madame Dubois. Qu'est-ce que vous pariez qu'elle va se foutre à chialer? Merci. Thank you.
T'as rien oublié? Mon billet, mon argent, mon... Oui. Mon carnet de notes. Papa, aide-moi à boutonner ma chemise, dépêche-toi. Oui. Tu me pinces, voyons. Ouh. Aïe. Ouh. Mais tu me fais mal. Oh oui, ça va. Ben, quoi, vous jouez tous les deux? Ah, je t'en prie, toi, c'est pas le moment. Ça alors? Quelqu'un est mort? Bon. Écoute, on dirait que tu vas à un enterrement. J'ai juste le temps. Quelle heure est-il? Le temps d'aller où? Au Bourget. Au Bourget? Oui. Alors maintenant, tu prends l'avion sans prévenir? Mais rassure-toi, je prends pas l'avion. Du moins, pas encore. Mais Paul, lui, il s'en va. Tu vas agiter ton mouchoir? Idiote! Il a oublié quelque chose. Quoi? Quoi? Ça. Alors, tu comprends maintenant? Bah quoi, il l'a oublié? Tu vas tout de même pas te mettre en âge d'attraper la mort dans les courants d'air d'un terrain d'aviation pour un carnet, non? Tu vois donc pas qu'il a écrit dedans tout ce qu'il pensait? Tiens, attends. Dette Eriglik Os du Bois. Fais-moi ça. Serlig Air and Self Meg. Megut Igelig. Il parle de nous, ben c'est tout de même gentil. Ben elle reste là, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, dis-toi, alors tu fermes de bonne heure, hein? Déjà beau, de temps à autre. Je pense à m'envoyer une carte. Tu veux que tu me réponds? Oh, je veux bien. Mais d'abord, il faut que tu me promettes une chose. Que je promette? Quoi? De pas faire attention aux photos de graphes. Allô, allô, mesdames, messieurs les passagers pour Copenhague, Stockholm, vous êtes invités à prendre je te la fais. Qui a été... si gentil. Si douce. Paul, embrasse-moi. Invité à prendre place dans votre car. Départ dans 2 minutes. Ma petite Lucie. Dis plus rien. Pars maintenant. Fais vite. Je te dis de partir. Ingenting er som fjellet. Du kommer sent. Vi har vært på stasjonen både i går og i dag. Og ikke et ord har du skrevet. Ja, Jotunheimen et av de fineste fjellandskap som finnes. Jeg har vært her jeg også for mange år siden. Ja, men det ikke forferdelig strevsomt med all den gåingen fra hotell til hotell? Hun går ikke fra hotell til hotell. Det turisthytter. Mer komfortable sådan. Hytter eller seter?
Gick du över Jämtinäggen? Jämtinäggen? Ja. Jo, jag gjorde det. Du var kanske på Gallupigen också? Var du på många toppar? Ja, det... Jag tror jag nog tryggt säga att det var du. Fröken Eide kommer på torsdag. Du kan tro vi hade det hyggeligt samman. Vi snackat förresten om lite av värt, hon och jag. Det kan på första etagen här. Blir inte det svärt grejt, så brukar vi köken samman. Men kära, vi är alltså goda vänner. Du måste förstå att... Säg ingenting, jag har bara rummet med. Mente absolut inte att se något. Tack för mat, mor. Tack för mat. Vem får komma, guttene mina? Velkommen til frisorte havrelufsa. Takk skal du ha, Mia. Herlig hyggelig å se deg med. Altså, godt som vi ser ut. Det ikke sant, da. Ferien så alt for kort. Du har så rett, så rett. Velkommen til striskjorta havrelepsa! Takk i like måte, små piker. Og hør på den, dere små piker! Og forlans, mine damer. Vill du sända en drosje till lektor Stefansen så fort som möjligt? Tack så mycket. Oubliez mon carnet. Vous inquiétez pas, je vais vous le chercher. Oh. Hey, dis Toto, ramène des fleurs. Oh, dis-toi.
Sophia! Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Avise le gros. Bon, André, t'es fou, pourquoi tu prends les fleurs? Excusez-moi si elles sont encore un peu mouillées, mais j'ai pas eu le temps d'aller vous en cueillir des fraîches. Ah, oh, sacré Paul. Tu n'as pas envie de respirer? Oh. Alors viens. Je connais justement un coin. Yeah, Elsker, yeah. La la la, je la chante.